On a bien dormi, on va tranquillement lever le camp et on repart pour une nouvelle petite rando. C'est parti! Ok, nous voilà au départ de la nouvelle rando de ce jour. On part pour 22 km, 1200 mètres de dénivelé. Et on attaque cette rando par une grosse montée. On prend 800 mètres dans la face d'entrée. Faut pas hésiter quand vous partez pour des longues marches à céder des bâtons. On pousse avec les bras, donc on cède dans la montée. On passe de bipède à quadripède. Il y a un meilleur maintien, un meilleur équilibre, une meilleure répartition de l'effort. Véritablement, on se fatigue moins. On se rapproche du sommet. C'est vraiment très très beau. On va aller choper un petit point de vue en haut de ce rocher. Ça la régale cette vue là. On profite du petit point de vue pour faire la pause banane. On traverse le petit village de Douche, on va rejoindre le col de l'Ourtigas. On s'est posé à l'ombre d'un petit arbre pour la pause déjeuner. Et pour se la régaler ce midi, une spécialité, c'est pas une omelette, c'est pas une tortilla. On l'a baptisé, on lui a donné un nom, c'est une trifouillade. Alors qu'est-ce que c'est la trifouillade? Alors, une trifouillade de légumes. Oh, la belle trifouillade. Si c'est pas magnifique. Omelette surprise, chorizo, fromage, oignon rouge, champignons, poivron et de l'amour. Tant qu'on sent qu'il y a de l'amour, c'est... voilà, la trifouillade. Et pour accompagner cette belle trifouillade, on se fait de la terrine de pintade à l'eau de vie de poire angevine. Cela régale. Et on entame la redescente dans cette petite forêt de hêtres. En chemin, on a croisé un orvet. C'est un lézard aux pattes atrophiées. Il est donc inoffensif et peu craintif. Quand on passe à côté, il s'en tamponne l'oreille avec une babouche. Contrairement à la vipère qui, elle, fuira à votre approche, on la distingue avec sa pupille à la verticale. Et la couleuvre avec ses 9 écailles bien marquées sur le dessus du crâne, qui a une forme légèrement plus triangulaire que celle de l'orvet. Un petit doute sur le chemin parce qu'il n'y a plus de sentier. Faut pas hésiter à rejoindre des hauteurs pour regarder le relief autour de nous parce que ça c'est vraiment des références solides sur la carte alors que les sentiers non. Bon, on a rejoint le ruisseau, le sentier n'est pas du tout marqué donc c'est à nous là de prendre la bonne décision et de réussir à trouver un passage quoi. Ruisseau traversé sans encombre, avec un pied mouillé quand même. On remonte et on va chercher ce tabarnak de sentier qui est indiqué nulle part. Bon, après avoir galéré une heure, on a trouvé ce putain de sentier et on y est. Voilà, on est sur le bon chemin. C'était pas évident, c'était vraiment pas évident. C'était crissement difficile. On repart et la boucle est bientôt bouclée. Et on espère avoir le temps d'aller s'acheter une petite mousse quand même pour trinquer. Parce que là, je pense qu'on l'a mérité. On termine cette rando. On s'est quand même bien régalé, malgré la difficulté. Il est déjà bien tard, on va aller se trouver un spot sympa pour dormir avant de repartir randonnée demain ou après-demain, on va voir. On vient juste de se trouver un petit spot juste avant la tombée de la nuit. Donc on allume le feu direct. Et voilà, on s'est bien régalé. Bien fatigant quand même cette journée. Donc un repos bien mérité. Et on continue l'aventure demain. Ciao.